Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et en fait là on va aller au Mans parce qu'en fait j'ai réservé un tour avec le youtubeur World Supercar. Normalement ça sera en Porsche, je suppose que ça sera en Porsche. Et là les amis, voilà, on se dirige vers le Mans. Bon, la météo est assez compliquée là, pas bon matin. Voilà, donc il nous reste une heure de route. Ouais les amis, donc là on va aller au Mans tranquillement. Et puis je vais faire un peu en termes de vlog, je pense. Vous montrer un peu le voyage qu'il y a, que c'est bien pas compris des tours. Je crois que c'est Mégatron RS, M2 compétition, et moi ça sera en Porsche, je suppose, parce que il a plus froid, parce que hier j'ai vu sa story, il était en Porsche. Donc je pense que ça sera en Porsche. Voilà, donc vous ferez une vidéo aussi avec lui. Donc ça va être marrant dans la voiture, etc., avec le grand angle. Et puis là on va au McDo, donc je vais voir un petit peu en termes de vlog, vous aimez bien dans les commentaires si ce concept là vous plaît. Là je prends la voiture, après je prends McDo, après je prends la voiture, voilà, si ça vous plaît. Et puis nous on se retrouve dans quelques minutes au Mans. Bon, nous ce sera plus en termes d'heures, mais nous ce sera en termes de capteur, en termes de secondes. Ouais les amis, on se retrouve au Mans et puis voilà, on va tout à l'heure les amis. Vous voyez les amis aussi, là il y a très très gros, parce que ici il y a Porsche au Mans. Donc voilà, Porsche a une histoire particulière avec le Mans, donc forcément il y a un stand Porsche en fait qui est là toute l'année. Vous avez beaucoup de Porsche. Je sais pas si c'est à des particuliers ou je pense que ça doit être à des particuliers vu les plaques. Elles sont toutes différentes. GT3, ça c'est vraiment n'importe quoi. Vous avez la sortie de chez Porsche. Ils ont un bleu nuit magnifique. GT4 aussi Clément, GT3 RS, GTR. Et puis derrière vous avez donc deux 720S qui sont d'un couleur magnifique avec un bleu Miami, un peu comme celui de Porsche. Puis là-bas vous avez encore aussi des Porsche. C'est incroyable toutes les Porsche qu'il y a. Vraiment incroyable. Vous pouvez voir aussi les sièges qui est à l'intérieur. C'est vraiment très 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 joli. De toute façon, vous connaissez là, les amis. Ouais les amis, on a les Corse Supercar. Salut. Bon, malheureusement, il n'y a pas trop de lumière. C'est un grand plaisir d'être avec toi, hein. Franchement. Ah, j'espère que tu vas kiffer. Bah écoute, ouais. Moi, ça vaut que comme je suis aussi YouTube, je suis habitué à avoir des grandes voitures. Hein. J'ai déjà fait pas mal de. J'ai déjà filmé des belles voitures, quoi. Ah, c'est cool ça. Là, j'ai filmé une S3 2021 dans deux jours, on la prête. Allez, on. T'as roulé un petit peu sur cette queue aujourd'hui? Non, pas encore. Moi, j'ai acheté que 3 RS, si tu veux tout savoir. Comment? J'ai acheté que 3 RS, moi. Ok. Mais j'ai pas encore. C'est encore un peu trop cher pour moi. Ça marche, hein. Ouais, ouais. En plus, là, on a de la chance, c'est un peu sec. Ouais, ouais. En plus, je t'avoue que j'adore la nuit. Je trouvais ça un mode beaucoup plus. Ça, j'ai pris tard. Tu sais, je voulais changer et tout. Waouh, bah, je commence à freiner. Ouais. C'est la guerre. Oh là là. C'est quoi, c'est 450 chevaux? 480? Ouais. 480 chevaux sur le point. Oh la vache. Alors bon les amis, c'est compliqué à filmer, je vais pas vous mentir. Là tu fais ça depuis 9h non? Depuis 9h. Putain, t'en as pas marre? Non. Non, je kiffe. Non, ça marche, hein. Vache.
Après, Porsche je connais, mais c'est, moi je connais plus les 97. Tu sais, les carrés à 4S, etc. Ouais. J'ai pas fait de nouvelles Porsche encore. C'est que des particuliers avec leur voiture ou comment ça se passait? Ouais, ouais, la grande majorité c'est des gens qui ont payé pour venir rouler. D'accord. Ok. En tout cas, c'est vachement cool. Là, j'ai vu ta vidéo là sur. C'est au garage West Coast là à Lyon. West Motors. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, j'ai bien aimé, etc. Parce que c'est intéressant, tu vois, de montrer à peu près le métier d'intérieur, tu vois, parce que beaucoup de gens. Tu vois, ça vend du rêve, mais ça pas derrière les contraintes qu'il y a ou les plaisirs qu'il y a derrière. Bah voilà les amis, vous aurez vu donc un aperçu donc du conduit sur circuit. À côté il y a une VGT tellement qui nous argent. En tout cas ouais, ça marche très très fort, hein, n'attendez pas à ça. Je trouve aujourd'hui, quand on entend ça, c'est pas impressionnant. Bah ouais, parce que beaucoup de voitures ont des prépas, mais moi là j'ai fait une vidéo sur une TTRS de 560 chevaux, 800 mètres de couple. 800 chevaux ? Ouais. Combien ? 560. Ah ouais. J'avais un stage 2, etc. Stage 2 plus, un truc comme ça. Ça marche. Ouais, ça marche fort TTRS. Hein. Ah, il m'a fait un lunch. Ouais. En plus, là j'ai hâte d'essayer la S3 parce que du coup là j'ai réussi à avoir un partenariat, on va me la prêter. Et ouais, ça va être. Parce que toi, t'as essayé, toi, la RS3, t'avais essayé du coup. Ouais. T'étais monté dedans. Mais bon, là, c'est la S3, donc c'est beaucoup moins puissant. Mais après. Ça marche déjà très fort, la S3. Ouais, ouais, bah je pense surtout à la technologie, hein, les feux, etc. Ouais. Ça marche très fort, en tout cas. En tout cas, c'est un très très beau circuit. Ouais. Moi, je m'attendais à ça, mais ce qui m'a choqué, c'est vraiment comment c'est grand, les gradins, etc. C'est impressionnant. Ouais, t'étais jamais venu au Mans ? Non, jamais venu au Mans, non. Bah si, moi j'habite à Paris, donc c'est un peu. Enfin, c'est pas que c'est loin, mais. Un plein côté. J'ai beaucoup à Beltoise, tu sais, à Trappes. Ouais. Là-bas, j'y suis allé beaucoup, je fais des tours Lamborghini, du karting, etc. Mais bon, c'est pas le même circuit. Là-bas, c'est un circuit, mais bon, c'est Paris, donc c'est pas non plus exceptionnel. Ouais, ouais. C'est vraiment. Mais c'est sympa d'avoir ça pas trop loin de Paris, à 1 heure à peu près. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, bah j'espère que t'auras bien profité. Ouais. Voilà. Moi, je te laisse dire un au revoir.
Au revoir. Salut, salut. Bon les frérots, je finis la vidéo ici parce que là on est J plus je crois 10 ou 15 jours parce que j'ai pas le temps de la finir sur retour, j'étais totalement KO. J'ai dû attendre au moins 4 ou 5 heures de faire le tour avec World Supercar au Mans. Donc j'ai pas voulu continuer le soir et puis là je me suis repris pour le montage. Donc voilà, donc les amis, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, commentez, partagez, likez. Pour rappel, donc ce tour, enfin cet événement a été fait par Fast Rain pour Téléthon et j'ai appris qu'il y a eu 558 baptêmes et qu'on a récolté, enfin pas moi, hein, que les gens de là-bas ont récolté 28 000 euros pour Téléthon, donc ce qui est une bonne chose, donc je suis vraiment content pour ça. Et puis voilà, donc sur ce les amis, je vous laisse, passez une bonne soirée et puis à la prochaine vidéo, salut.